¿Cómo te da casi? La persona agua. La persona agua. ¿Cómo te transforma a Cabri? Lui. Lui. Monsieur. Tu marches pour être cabrio. On te donne à manger. Il y a un petit qui dit qu'il a mis manger à mon papa, il pleure, il ne va pas manger, elle, il le frappe. C'est cabri. On te manger à quitter. Nous, on appelle ça dans notre français pépé soupe. C'est rapide à quitter. En 30 minutes, c'est déjà cuit. 30 minutes, il y a cuit. Ça, c'est vite et vite. L'attacher. Le manger quand? Ah, monsieur, tu m'as fait quelque chose. Ah, tu fais quoi? Ouais, musulman, il a attaqué, il fait signe de croix. On a demandé à l'université de faire signe de croix maintenant. Il fait signe de croix. Monsieur, il fait comme ça. Comment tu l'as attrapé pour l'attacher? Moi j'aime le brouilleur. Mais c'est l'ennemi cabri, hein, t'as rien de l'état. Moi, je m'en viens à quitter. Quand il est là-bas. Dieu peut te délivrer. Nous nous croyons à la puissance de Dieu qui peut te délivrer. Voilà. Et oui, je vous aime, mes camarades. T'as fait quoi? Je vous aime, mes amis. Quand tu dis en goûter là, tu fais comment? J'ai besoin de transformer mon chien. Je vais expliquer. Il y a un. Vous n'avez pas parlé, ils viennent demander. Les quoi sont là? Tiens, je viens. Donne-moi. Tu veux. Un dimanche. Rendez-vous là-bas. C'est pas de leur pour tout les donner pendant brésil et rouge. Voilà à l'école. Tu vas demander. Non, papa, il est fin. Pendant brésil et rouge, tu as fait. Moi, quand mes parents me mettaient à l'école,
C'est ça, on nous a donné. Allez, pas l'école. Tu demandes l'argent. Nous, en notre temps, là, on ne demandait pas l'argent, c'est pas là, brésil. Mais quelqu'un qui a faim, hein, il ne va pas demander. Quand on fait un enfant, c'est pour prendre soin de l'enfant. Vous mangez. L'enfant fait ce qu'on appelle mort subite. Il attend 20 heures pour manger. S'il a fait la nuit, il va aller manger là-bas. Quand tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, il ne faut pas mettre un enfant au monde. Hein? Tu allais maltraiter un enfant comme ça? C'est toi qui vas manger, qui l'a fait. C'est toi qui vas venir manger. Hein? Et j'avais un papier. Quand je lui dis, chaque jour qu'on me donne mon argent, lui il veut me déterrer à tirer pour lui, il va manger. Maintenant, un jour, un midi, il est à l'école, il veut m'attendre mon argent. Par exemple, c'est chez eux, on va aller au marché. Maintenant, il est allé chez eux, il m'a demandé si d'abord je sais qu'il va au marché. Et puis il a dit que je vais payer à tirer, tu vas manger, je suis la fin. Et puis il a dit qu'il a compris. Il m'a donné un tête. Il m'a donné un tête. Qu'est-ce que tu as dit? Il a payé à tirer quelqu'un. 300 francs. À l'autre 25. Et puis, 300. Il a transformé dans le chef de l'homme. Et puis, à l'autre, il a mis 100 de temps. Quand il a envoyé, il a dit que c'est venu en manger. J'étais mon choix. Que c'est qu'à la chasse. Puis, tu as fait quoi quand tu as donné ça à Mathieu? C'était pour quoi? Il a donné un sorcier. Il a donné un sorcier. Tu as initié combien de personnes? J'ai initié 4 personnes. La dernière personne a fait un bébé. Le jour où tu es venu avec tes parents, il ne t'a pas dit que tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu n'as pas nié. Tu aurais des fous partis. Maintenant, tu le connais. C'est ça, chérie. Quand il dit aux gens, le détecteur t'a pris, comment est-ce amusement? Quand la chose se déclenche ici, c'est comme la vieille. J'étais là et la vie en plus. Là, bon, le Seigneur, je l'ai dit. Moi, j'ai des sorties à changer. Amen. Si tu es un parent sorcier, il faut l'aider à changer. Si tu défends la personne, c'est toi qui vas manger demain. Mais, qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu as un pouvoir de détecteur? Non. Bon, lui, quelqu'un a ça. Et toi, tu ne crois pas. Moi, c'est comme ça, les gens ne croient pas. C'est ça, l'attente de la vie, pour rien. Et l'attente. C'était là quand elle mourait, non? Elle était là quand la femme mourait. Je lui ai dit, tu es sorcier. Elle dit, non, tu mens. Il dit, tu es sorcier, il dit, tu mens. La première fois, il dit, non. Il dit, moi, mon détecteur, il dit, ton détecteur, ça menti sur moi aujourd'hui. Je lui ai dit, ah bon. Quand il est venu m'amener au ciel, il dit, c'est toi qui m'as appelé. Ça m'a jamais trahi. Ils ont dit, détecteur, ça va mal. On est détecteur, là, ça prend plus vieux, bien. Tu sais, c'est dans le mensonge. Il fait que tout le village, peut-être soit exposé. Mais si c'est moi, que je sois humilié. Ça n'a pas duré une fois. Vous amusez, hein? Quand quelqu'un a appelé de Dieu, là, ne vous amusez pas à lui. Vous savez, quand je me suis levé un matin, vous dites, là, je peux faire casse, il y a trois sorciers. J'ai été appelé par Jésus. Je l'ai vu, Jésus. Il m'a consacré à ce travail, ce ministère. C'est pas un jour. Après ça, elle est tombée malade. Elle va parler. Elle vient, parle pas. Il dit qu'il veut moi. Elle parle pas, elle est tombée dans un coma. Comment j'avais pris pas le tout? Il dit, de toute façon, tu as caché les trucs de tes parents. Moi, je l'ai délivré. Toi, là, il veut mourir, il va aller mourir. Mais ceux qui sont cachés dans tes litières, j'allais les délivrer. On est venu au village la nuit, elle va aller déplacer la chose.
paf, dans un combat. Le frère commun, c'est quand on allait détruire la terre. Maintenant, descend, elle veut manger. Elle est morte. Quand on a mal les dragons. Petite sorcellerie. Il dit, t'es sorcier. Né. Qui dit, maman? Aujourd'hui, tu parles. Hein? Pourquoi t'as nié la dernière fois? C'est pas toi qui parle. Pourquoi t'as nié? Je te frappe avant de parler. Hein? Maintenant, quoi tu parles? Hein? Oui. Ah, donc tu n'as rien joué, quoi. Quand il dit, t'es sorcier. Pourquoi t'as pas parlé? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas toi qui parle. Oui. Alors rien, t'as nié, rien. Tu n'es pas sorcier. Oui. Mais pourquoi tu dis non? Pourquoi? Elle a compris le français. Tu sais que la vie ne croyait pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu dis, c'est pas vrai. Tu comprends le français? Quand il disait que tu es sorcière, tu n'étais pas sorcière ce moment. Hein? Il est sorcière. Mais pourquoi tu dis non? Tu ne comprends pas le français. Il y a ça aussi. Moi, il y a trop pitié. Vous savez, je vous regarde là. Sinon, pendant qu'on est en train de parler là, je peux te détruire là. Il y a ce pouvoir. Ce que Dieu m'a donné là, je sais ce qu'il a mis à moi. Parce qu'elle ne me disait rien. Parce que j'ai le pouvoir sur eux. Il y a le pouvoir sur eux. Ce que Dieu m'a donné, c'est que je lui balaise. Sorcier. Non. Invitez-moi dans vos villages, j'ai envie d'attraper les sorciers. Ça fait longtemps qu'il n'attrape pas les sorciers du village. Ah. On m'invite. Je les appelle, mais c'est les bons sorciers. J'aime ça. Vous, on dit sorcier. Moi, j'aime le con, on dit sorcier, je suis sorcier. J'aime ça. Il est courageux. Maintenant, hein, je te zappe. Ce n'est pas un vrai sorcier. Sorcier dit, je suis sorcier, il peut m'attraper. Là, je suis sorcier comme ça. Amen. 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 On te dit que tu es sorcier, tu dis non, 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 non. Maintenant tu parles. Et peins-tu ta mise ta maman là. Oui. Ta cave. On peut commencer. Hein? Oui. Qui va lever? Jésus. Ah, tu sais que Jésus est né. Quand tu dois travailler à Jésus, quoi. Elle est partie, Jésus, le Seigneur. Tu m'as peintu, la caméra est peintue. Tu ne sais pas Jésus, hein? Notre Seigneur est assis là-bas à la droite du Père, t'as tout ton travail. Yako. Et sa richesse. Tout ça n'a pas dit. Oui. Vous allez attendre toujours dans une confrérie, il y a toujours un canari mystique. Forcément. C'est dans ça qu'il met tout. Quand il dit enfermé, là, c'est dans un canari. C'est ça que je rentre dans un village, c'est quoi m'intéresser, c'est le canari mystique. Jésus a dit à Marthe et Marie, où l'avez-vous mis? Lazare est mort, mais il allait, où l'avez mis où? C'est où ils t'ont mis là, c'est ce qui intéresse Jésus. Sorcier met tout l'homme quelque part. Où ils t'ont mis là, c'est ce qui intéresse le Seigneur, ils t'ont bien gâché. Mais où ils t'ont mis là, c'est ce qui intéresse le Seigneur, vous t'en avez de là. Amen. Il allait dire, Lazare sort. Il t'a enfermé quelque part. C'est ce qui intéresse Jésus. Amen. Amen. Ok, Jésus te délivre. Amen. 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 Vous allez voir toujours une confrérie, il y a toujours un canari mystique. Ça, c'est clair. Pour ça que quand je rentre dans un village, c'est qu'il attaque d'abord. D'abord, leur poudrière. Forcément, ils ont un arbre. C'est dans l'arbre là qu'ils opèrent. Ils cachent leur canari, les trucs de sorcellerie. Donc, c'est ce qui m'intéresse d'abord. Je détruis ça d'abord. Et je vais détruire leur radar. Les trucs de communication. Parce que c'est les villages. Ils communiquent entre eux, ils mangent entre eux, ils s'attendent entre eux. Donc quand quelqu'un vient les attaquer, ils savent. Donc ils appellent les plus dangereux là, en renfort. Alors vous détruisez le système de communication, le radar. Si vous rentrez dans un village, vous allez voir les termitières. Quand vous recouvrez les termitières, votre image reste là. Tous vos projets restent là. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans un village, 300 mètres avant le village, parlez, commencez à parler.
parler, parler. Commencez à détruire les choses. Commencez à détruire les choses. Couvrez-vous du sang de Jésus. Amen. Et puis il y a une prière qui devient visible. Amen. Vous savez, je dis aux gens, si tu ne deviens pas, quand Dieu t'appelle, il ne fait pas de toi chrétien, il fait de toi un esprit. Vie esprit. Il ne fait pas de toi chrétien. Chrétien, Dieu, il fait de toi esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir le langage de Dieu. Il faut être un homme spirituel. Il fait de toi un homme désireux. Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous? Ne jouez pas la parole. Et ils ont fini ça, la sorcellerie. Pendant qu'ils rentrent, moi c'est fini. Dès que tu rentres, tu descends. Tu es à la rentrée du village. Prends le sac. Regarde la direction du vent. Commence à parler. Parle. Vous savez que Dieu a pris la poussière pour créer l'homme. Commence à voir la direction du vent. Dieu dit, il fait du vent les messagers. Le vent les messagers. Commence à parler. Tout ce que tu déclares sur le sorcier, là, là, ça arrive au sorcier. Je suis en train de donner les grands secrets. Même quand vous rentrez à Abidjan, quand tu sors d'Abidjan, quand tu veux rentrer d'Abidjan, parle. Il faut commencer à parler d'Abidjan. Parce que tous les systèmes qu'ils ont mis en place pour te nuire, commencent à détruire. Porte d'Abidjan, ouvre-toi, élève, ouvre-toi, porte éternelle. Moi, grâce au Dieu, je vais le shalom. Je fais mon entrée avec Adonai. Alors, toute âme forgée contre moi, Abidjan, est déclarée sans effet. Tous les systèmes qu'ils ont mis en place contre moi échouent. C'est fini. C'est fini. Quelqu'un qui voulait attaquer, c'est fini. Il a déjà tout détruit à l'entrée d'habitude. Il n'y a pas peur. Tu es dans un cas, tu commences à parler. Tous ceux qui voyagent avec moi vont remarquer ça. Parce que là, vous voyez, parce qu'il y a les ports physiques, il y a les ports spirituels. Il y a les ports spirituels. Tout se détermine là. Au niveau de la porte, tout se détermine là. Donc, avant d'entrer à Abidjan, il y a un système mis en place contre toi. Toi, tu ne sais pas. J'ai un système mis en place contre toi. Donc, il faut renverser. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, avons le pouvoir de lier et de délier. Nous avons ces deux forces-là. Et ils savent garder, ils ne savent pas arranger. Nous avons gardé. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux te garder. Puis je veux t'arranger. Tu choisis quoi? Arranger. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, mais Dieu dit, j'ai mis la vie. La vie et la mort au bout. J'ai mis la vie et la mort choisie. Tu même dit choisi. Et puis Jésus, tu même dit, la vie et la mort sont au bout de mes lèvres. C'est la parole. Et Dieu, je veux choisir, tu veux quoi? Tu veux mourir. Alors, je te donner sa vie, vite, vite, vite. Et tu veux vivre, j'ai chassé le démon en toi. Donc, nous avons le pouvoir. Et Dieu n'a pas créé. Dieu dit, il a créé l'homme pour que l'homme domine sur toute chose. Amen. Toute chose. L'homme, c'est la représentation de Dieu. Dieu, c'est le pouvoir. Tu n'as plus pu exercer comme autorité, tu n'es rien. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui est en nous est plus fort. Le monde, c'est le diable. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le diable. Amen. Si toi, tu es digérant dans le village, faut qu'il soit invisible. Il sera invisible. Pourquoi les sorcières ne me voient? Ils ne vont pas te voir. Vous ne savez pas ce qui est en vous. C'est le pouvoir, là, tu fais de ce qui tu veux, ça. C'est tout. Quand il vous a donné le pouvoir, vous voyez, c'est quoi? C'est une force, c'est une puissance. Tu fais de ce que tu veux, ça. Amen. Amen. Vous jouez ça. Sorcier, n'a qu'à sorcier chinois. Pour les tuer, c'est facile. Elle est sérieuse. Vous n'êtes pas encore bien enraciné. Il y a des choses, je n'ai pas envie de vous. Sinon, vous allez faire des cascades graves. Vous voyez, permettez ou elle est système de contrôle. C'est très dangereux. Permettez ou elle est permettez. Vous en appelez l'homme. C'est pas la tête en bras. Permettez ou elle est très dangereux. Vous aimez tuer. Vous savez, moi, dans mon ministère, je ne conseille pas trop. Allez tuer, tuer. Moi, je vous conseille délivrer, délivrer. Ça donne un ministère qui est, qui ont les sorciers. Voilà. Donc, moi, ce n'est pas un langage, je n'ai pas trop familier. C'est pour ça que je ne parle pas trop de tuer, tuer. Hein? Ce monsieur te montre ça. Ceux qui disent tuer, tuer, ne connaissent pas le pouvoir. Cimetière ou elle, encore, c'est encore dangereux. Mais c'est vrai.
Il y a des choses. C'est dangereux. Donc, c'est des choses que je pense de vous enseigner. Parce que pour moi, vous-même délivrez ça aussi. Mais c'est pas tout au monde aux gens. Sinon, ils vont prendre ça pour aller détruire des gens. Parce que les patients matin. Il dit, tu crois ou tu crois pas, si tu fais, ça marche. Moi, j'apprends, j'ai appris beaucoup de choses avec les anges. J'ai appris beaucoup de choses avec Dieu. J'apprends beaucoup de choses avec les juifs. Détruire, c'est encore plus facile. Il n'est pas ce cœur, malheureusement. Ou est-ce heureusement? C'est quoi? Malheureusement. Il n'est pas le cœur. Si par exemple quelqu'un a sa mère qui est sorcière, et qu'il passe par cet enseignement biblique, et qui sa mère, est-ce qu'il n'a rien de ça? Non. Une sorcière? Non. Quand il dit tuer sa maman, c'est comment doit la vie? Par un enseignement de vie, bonsoir la sorcière, lui il fait ça, tu as fait la vie. Dieu n'a fait qu'il met sa parole en pratique dans ta vie. Toi, tu n'as rien à voir ça. Et quand il prend ma sœur, il va la tuer, voilà. Mais si tu as déclaré les choses, c'est fini. Il y a des choses qu'on doit faire. Je vous donne un enseignement. Quand vous voyez qu'il est le premier du mois, c'est-à-dire le premier du mois, le premier jusqu'au 9. Hein? Il faut prendre de l'eau, que tu vois l'eau. Vous savez que le chiffre 9, c'est le chiffre de la naissance, de la renaissance, tout ça. Vous parlez sur l'eau, mettez ça dans un couloir langue de la maison, allez parler chaque jour, tout ça, une heure du matin. Je parlais chaque jour. Le 9e jour matin, et le soleil n'est pas encore sorti, il y a la direction du soleil. Est-ce que l'eau que tu vois là, c'est un pouvoir? L'eau que tu vois, c'est sur de lui. Vous commencez à parler sur l'eau, à la terre. On dit, le sorcier de ma famille, là, je vais le connaître. Et s'il est dévoilé, il y a une autre pratique à faire. Merci. La semaine qui va suivre, tu vas le connaître. Oui, il y a deux techniques. Lui qu'on voit là, lui là. Et cette pratique là-bas permet au sorcier de parler. Mais lui que vous voyez là, vous versez ça sur votre tête, vous nettoyez votre tête dans 4 jours. Il sait que la semaine qui va suivre, Dieu va vous montrer tous ceux qui sont là-bas de votre corps. Quand vous maîtrisez maintenant le sorcier, c'est fini. Vous le détruisez, c'est possible. Amen. Mais il y a une pratique, si vous montrez ça, que tu sois païen ou tu n'es pas chrétien, tu es païen, tu fais ça, ça frappe. Amen. Monsieur les gens de l'Israël. On a mis les gens à changer. Toi, tu as dit, tu as mis des attaques, c'est que m'attaque. Pourquoi toi tu t'es tordu? Moi tu vas venir jouer à ma chambre. Hein? Amen. Amen. Vous dévoilez, c'est facile. Nous avons ce pouvoir. Amen. Comme moi dans mon ministère, je ne dis pas tuer. Quand je regarde ton dossier, puis je dis toi-même, laisse-moi aller tuer ton dossier. C'est-à-dire que les gens vont jamais changer. Tu vas monter des sangs. Quand je sais ça, je te dis à moi-même, lui, il allait lui faire des sangs. Et puis, je donne le nombre de jours, je commence à compter les jours. Tu vas voir quand j'ai commencé à compter les jours. Le 10e du temps. Amen. Il y a des gens qui vont pas faire, ils vont jamais changer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme on les appelle les démons en chair, sont les esprits. Ils vont jamais changer comme parents. Pour les détruire, c'est facile. Tu as venu? Il y a quoi? Il y a les sorciers qui sont venus des Arocos là. Ils sont là. Il y a un avocat de Bakako là. Ils sont là. C'est toi? Ouais. C'est toi. Hein, je n'étais pas le petit. Ils m'ont appelé, on dit qu'il y a des dossiers de sorciers. Ils sont où? Ils sont combien? Ils ont combien d'enfants? Non, non, mais attends après. Mais ici, on soigne les sorciers. Ils sont malades. Au moment pour les comprendre. Souvent, on est chaud, on veut les tuer, mais ils ont été initiés.
Et Dieu vient donner la société. Et puis vous voulez les condamner, dans quel étui, tu es bon. Ensuite, tu as cherché à savoir si la personne est changée. La personne même lutte même pour quitter les là. Elle te retourne dans un marché où elle ne doit être plus quitter. C'est que j'ai déjà dit, oh, c'est Jésus, la personne est sorcière. Bon, encore la tue. Moi, je finis par aider les gens. Il y a des gens qui font partie des sorciers. Vas-y, ils ne mangent pas la nuit. Dans leur tête, les pensements de l'heure prochain, les sorciers. Oui. La Bible dit que celui qui a la haine contre son prochain est un sorcier. Tu vois la femme de ton camarade, tu as mis des frères avec elle, les sorciers. Les femmes qui sont libres, c'est pour quelqu'un, sorcier. La chose qui fait mal, c'est ça. Combien regardez. Il y a des gens, les démons, là, c'est quand ils voient une femme mariée, c'est là leur chien, là, ici, femme, là. Sorcier. Mais c'est l'entrée des biens, monsieur, vous dites, toi, tu n'es rien, moi, je couche avec ta femme. Pourquoi cette femme de quelqu'un, toi, tu vois, prends. Mon frère mourait, je vois, il y a marché, du frère, tu peux te couper ça. Non, femme de quelqu'un. C'est pas sorcellerie. Le monsieur a pris sa femme, chérie, j'étais. Toi, tu viens là. Comme les gens mensonges, les femmes. Qu'on vous blague là, vous aimez ça. Nous, les gens vous blague. Comme le monsieur ne dit pas, j'étais. Qu'un gars qui s'en vient, il dit, chérie, j'étais. Hein? Je suis marié, hein? Laisse-moi. Hein? Tu as dit quoi? J'étais. J'ai tant d'avis. Oui. J'ai tant d'avis là, tu as dit à travers. C'est pour ça qu'en prenant des hauts femmes, j'espère. Amen. Elles sont habituées à ça. Si ça dit bien, elles ont mon fiche. Mon mari me dit ça déjà. Vous avez compris? Amen. Les gens sont possédés. C'est des démons, sorciers, femmes des gens qui sont occupés là. C'est là que tu vas sur le terrain. Mais frère, vous n'avez pas ma chef. Il est déjà bien, il est épaisse. Toi, tu vas te débrouiller, tu vas une femme, tu gagnes une femme, vous allez faire ça sans raison. La parole des gens, appelle lui, ouais, dis lui là. Il y a des démarches, des trucs. La nuit, tu es malade, tu gagnes du oui. Tu fais des marches quand tu travailles chez toi à la maison. Puis quelqu'un va venir regarder ça. Femme brassée. Hé! Sorcier. Quelque chose de ton camarade. C'est un sorcier. Mais pourquoi c'est qui est occupé là? C'est toi qui regarde. Il y a plus de femmes que des hommes qui la terre ici. Amen. Il n'y en a plus, pas chercher. C'est pour moi là, j'ai fait tôlerie, peinture, oui. Tout, j'ai fait manger. Toi tu vois ça, tu vas. Sorcier. Amen. Amen. Non, c'est la chose. Moi, il dit, je peux pardonner ça. Je pardonne, hein. Mais une fois une femme a tombé. C'est fini. Donne mon épouse. Non, c'est qu'est-ce qu'il dit de pardonner moi. Dégage, et dégage, dégage, et dégage. Vous n'avez pas de vos yeux pris. Quand il dit oui à quelqu'un, là, c'est oui. Ou bien même. Quelqu'un n'a pas envie de parler, il dit, oh, je suis occupé. Je te plais, je suis occupé. Amen. Amen. Okay. Comment tu vas venir travailler avec quelqu'un, quelqu'un te parle, tu vas l'écouter, tu mets les minutes très vite. Minute, il va te prendre. Il y a des bons parleurs. C'est comme embouteillement dans leur bouche. Si tu as démarré là, d'ici 5 minutes déjà gagné. Vous vous blaguez. Les parents aiment quand les blagues. Mais il dit gagné. Il dit marié. Monsieur, je suis occupé, mon mari. Mon mari, oh, ça fait quoi? Ah, ça fait quoi? Je t'aime. Ah, vous m'aimez. J'aime pas ça, hein. Vous m'aimez. Il a déjà gagné. Et qu'est-ce que ça fait? Les hommes sont comme ça. Je trompe un peu. Je me trompe. Sorcier. Comment tu peux aller tromper ton mari? Ah! Vous êtes la sorcière. Vous faites sur vos bouches. Amen. Sorcière.
trompez vos maris. Vous cachez, vous trompez. Vous comprenez quoi?